Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite de ce let's play sur Jak and Daxter. Donc la dernière fois on s'était laissé ayant terminé la grotte aux araignées. D'ailleurs j'avais bien galéré, faut dire c'est quand même un des niveaux les plus compliqués du jeu. Et là on va en faire un autre tout aussi compliqué mais quand même plus agréable, la montagne enneigée. Donc on va y aller tout de suite grâce au téléphérique. Je trouve que c'est la zone la plus longue du jeu. Parce que, en fait, c'est pas qu'il y a plus de missions, puisqu'il y a toujours 8 piles d'énergie à récupérer. Mais, en fait, le terrain est. Enfin, le niveau est beaucoup plus vaste. Pour moi, c'est aussi ce qui fait le charme de cet endroit, et je trouve. Enfin, personnellement, j'aime bien tout ce qui est dans tous les jeux, ce qui est montagne, neige, tout ça. C'est assez agréable à l'œil, enfin voilà. Bref, on va bien se marier. Comme vous voyez, on a des lurkers spéciaux, enfin spéciaux, spécifiques à ce niveau. Quoi. Par contre, on a un infini comme ça, hein, ça peut durer longtemps. Bon, attendez une seconde, je règle le son de mon casque. Parce que là, c'est un petit peu trop fort, j'entends même pas parler. Où c'est qu'on... Attends, j'y galère un peu là, je sais même pas où c'est qu'on le baisse. Voilà, c'est fait, c'est bon. Bon, alors, pour l'instant, on doit désactiver les bloqueurs précurseurs. C'est ces trucs-là, là, faut appuyer dessus. Enfin, sans se faire niquer par la... Merde, je vais me faire avoir par la barrière qui est autour. Ouais, oui, ils ont des pics, donc on va faire attention. Ah oui, une mécamouche. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose en bas. De souvenirs, voilà, c'est fait. Le jeu est presque terminé, hein. Après la montagne enneigée, il nous reste deux niveaux. Je me suis déjà fait toucher. On va pas s'éterniser ici parce que ça sert strictement à rien. Bon, lui, on va faire attention. Ça va nous casser les couilles. Allez, rentre tes pics, c'est ça, oui. Bref. Voilà. Où aller? Où c'est qu'on va? On va passer par là. Voilà, tu vas voler par là. Comme je vous le dis, ouais, voilà, c'est assez vaste et en fait, on a beaucoup de chemins possibles pour finalement arriver au même endroit ou pas. Donc voilà, c'est ça. Et c'est assez compliqué de trouver tous les arbres justement, puisque ils sont vraiment bien dispersés. Attends, lui, il va nous faire chier. Ces 10 bêtes là sont vraiment chiantes, ouais, parce que comme vous voyez, elles sautent partout. C'est vraiment galère pour l'avoir. Non, merde, le con, je voulais me reculer pour faire un saut en longueur, mais j'ai loupé mon coup. C'est pas grave, je le tue qu'au début. On va juste faire ça rapidement. Là, je suis tombé. Par contre, tu as combien de piles? 84 déjà. On s'approche des 101. Ah oui, sinon, juste pour info, je... Oh le con, ça commence super bien. Bon, c'est pas grave. En ce moment, je filme sur Windows parce que j'ai fait un petit test vite fait sur Mac et je sais pas ce qui se passe. Enfin, je galère un peu avec les paramètres en fait. Faut que je trouve les bons paramètres. Et la qualité est vraiment dégueulasse. Avec ITV, bon, pour l'instant, j'enregistre sous Windows qui m'offre une qualité pas si mal avec le logiciel. Enfin, faut juste que j'apprenne un peu à configurer ITV puis. Après ça marchera parfaitement. Bon, on va faire attention, on va pas se casser la gueule comme tout à l'heure. Voilà. En fait c'est même pas là je crois que j'ai commencé à sortir là. Enfin c'est pas grave. Ah j'ai vu les coups de pied en hélico. Ah mais non, putain. Voilà, là on a plusieurs trucs à désactiver là comme ça. Ouais, c'est traditionnel passage sur la glace dans je dirais tous les jeux de plateforme, hein. Je pense qu'on en a un peu partout. Ah merde. Vous voyez ça vous repousse comme ça quand on loupe notre coup. Ça
c'est emmerdant. Voilà. Je crois que j'ai vu des coups rouges, ouais, voilà. Ça va être plus simple pour l'initier, lui. Voilà. Voilà. Ça, on peut servir des coups pour mieux se diriger sur la glace. Comme vous voyez en dessous, il y a quelque chose. Attendez. On peut aller en dessous, on verra ça plus tard. Sinon, oui, donc je vais commencer déjà le sondage maintenant. Étant donné que que le jeu est presque terminé, je voudrais savoir si vous voudrez que je commence direct Jack 2, ou alors que je fasse autre chose. J'ai pensé, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Red Dead Redemption, ou bien une Acrom de Pokémon, ou... je pensais à Light Platinum, je crois que c'est ça le nom. Nitou voulait le faire d'ailleurs, mais il l'a pas fait finalement, ça lui a pas plu. Bon, moi je testerai bien sûr, hein, avant de tenter un let's play comme ça, arbitrairement, pardon. Enfin bon, voilà, dites-moi votre avis si vous voulez revoir du Jack encore. Enfin bon, pour info, quand même, Jack 2 est totalement différent de Jack and Daxter. Hein, il est beaucoup plus... Enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais il est plus sombre, plus difficile, plus long aussi, beaucoup plus long. Là, on n'en aura pas que pour une dizaine d'épisodes comme Jack and Daxter, mais on en aura au moins pour 25, voire 30. Ça va être un long let's play. C'est pas plus mal d'ailleurs, franchement. Tout le monde préfère Jack 1 à Jack 2 d'ailleurs, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est un bon jeu, mais je trouve que Jack 2 a quand même beaucoup de plus. D'ailleurs, petite anecdote, sur jeuxvideo.com, bon, bien sûr, il est vrai que leurs testeurs ne sont pas très compétents, je vais dire ça comme ça. Mais. Ils ont. Merde. Enfin, j'ai vraiment pas de ça. Ils ont noté Jack 1, donc Jack and Daxter, 18 sur 20. Bon, ok, c'est. C'est justifié, hein. Mais Jack 2, ils l'ont noté que 14. Sous prétexte qu'il est trop difficile. C'est ce qu'ils ont mentionné dans les défauts. Enfin, je trouve ça vraiment débile. Puisque, bon. Ok, c'est un jeu difficile, mais Jack 1 est très. Trop, mais je dirais même trop facile. C'est. Je trouve ça assez bête de leur part, enfin, petite anecdote comme ça. Bon, je pense qu'aussi le fait que l'univers change totalement a un peu influé sur leur note, sachant qu'ils devaient s'attendre à, je dirais pas jusqu'à un remake, mais à quelque chose d'assez similaire. Bon, c'est un problème après tout. Moi personnellement, j'ai commencé avec Jack 2, hein, c'était mon tout premier jeu sur PS2. Et j'ai tout de suite été, je dirais, conquis par ce jeu, et plus tard j'ai acheté Jack 1 et Jack 3. Voilà pour ma petite histoire. Oula, lui par contre, il va me faire chier avec ses pics là. Donc voilà, dites-moi si vous préférez voir du Jack directement. Enfin, moi personnellement, je préférerais, mais bon, après tout, c'est vous qui regardez, hein, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, alors dites-moi si vous voulez du Pokémon, du Red Dead Redemption ou Jack 2. De toute façon, si vous choisissez Pokémon ou Red Dead, je commencerai Jack 2 après Sonic Heroes, puisque je voudrais rester constamment de let's play en parallèle. En faire 3 non plus, après ça devient vraiment trop. Bon, lui va me faire chier cette plateforme. C'est bien visé, voilà. C'est vrai qu'il y en a pas mal des plateformes comme ça à désactiver, il y en a un peu partout dans le niveau. Ouais, hyper cute dans les yeux. Alors là, quelque chose que je me souviens depuis la dernière fois que j'ai joué. Vous vous souvenez le passage que je... Enfin, l'endroit que je vous ai dit en dessous de la glace. Et bah, la dernière fois j'ai galéré pour le trouver, mais là maintenant je me souviens. C'est ici. Le passage bien camouflé par les armes, n'empêche, hein, si on passe vite fait sans faire attention, on ne peut pas le trouver. Donc voilà. Là c'est assez compliqué de passer, faut faire vraiment gaffe avec la glace et tout. C'est galère. Oula, non, 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 putain. Que je vais être comme un taré. Bon, on est reparti. Voilà. Non, mais non, putain, c'est vraiment trop chiant. Non, mais stop, putain, c'est pas vrai.
faut que j'arrête de faire mes coups de pied là, parce que en fait il reste. Il continue à avancer lorsqu'il saute de la glace. C'est ça le problème. Voilà, c'est bon. Sinon pour ce qui est de Pokémon, oui, parce que je. Vous avez vu, dernièrement j'ai bossé un match Pokémon contre le Shoka. J'ai totalement oublié de préciser que bientôt vous aurez des matchs UU parce que je commence à m'investir dans ce metagame, j'adore d'ailleurs, je trouve ça. Enfin je le trouve vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que bientôt je vais en poster. Donc bon, je pense que ça va vous ravir puisque le OU c'est vrai que ça reste assez répétitif. Même si j'essaye de jouer les choses, je dirais pas jusqu'à original, mais qui sortent un minimum de l'ordinaire. Comme ma team là que je vous ai présenté avec Volcarona sous Rain, qui d'ailleurs est assez fun à jouer, tout en étant efficace bien sûr. Oula, c'était limite, j'ai failli tomber. Bref, voilà, aussi le Uber, je trouve ça pas mal, enfin j'y joue un peu moins, mais ça reste un très bon metagame. Plus... Enfin, c'est pas du tout divers, mais c'est... Enfin, je trouve ça beaucoup plus sympa que le, OU, personnellement. Enfin, voilà, c'est pour le petit passage Pokémon, ça concerne pas le let's play, mais ça concerne plutôt ma chaîne. Heureusement, let's play, donc voilà la première pile d'énergie de cet endroit. Je crois que c'est la première. Et là, on a activé l'interrupteur d'écho jaune. Oui, ça, j'ai qu'une seule pile d'énergie. Je verrai à quoi il nous servira plus tard, cet orifice. C'est là qu'on sort. Puis notre sortie. Oh non. Bon, d'accord. Bien sûr, j'en suis. Pourtant, j'étais persuadé qu'il y avait une autre. De toute façon, je suis pas aveugle. Bon, on va partir par là. Merde. Oh là, faut glisser, je crois. Hop. Voilà. Ah bah, j'ai même pas vu celui-là. Bon, on va passer par là. Oh, dégage, petit con. Bon, tant pis. Oh, je t'ai eu. Stop, 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 stop. Voilà. Venez casser. Enfin, casser. Désactiver l'autre là-bas. Ah non. Toujours un peu de pile d'énergie. Putain, il y en a vraiment un paquet. Là, y'a rien. Je crois qu'on peut rentrer. On peut rentrer dans cet endroit-là. C'est pas. Enfin, c'est une petite. Forteresse, enfin forteresse entre guillemets. Oula. Mais non, voilà. Ouais bon, j'irai ici plus tard. Attends, par ici. Non, par ici, je crois que c'est par là que je suis arrivé. Les gens, il y a constamment des ennemis. Ah bah non, faut ouvrir la porte en fait, du con. Je sais plus où c'est qu'on fait, mais c'est pas grave. Ah voilà, c'est le pont qui glisse carrément. Truc pas trop chaud en vrai. Pardon. Bon, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Cette zone est. Enfin, ce niveau est assez vaste. Sympa, et je trouve il agréable franchement. Autant la grotte aux araignées c'est sombre, c'est triste et chiant. Autant la montée enneigée c'est sympa. Voilà donc l'orifice que j'ai débloqué tout à l'heure, là je vais me casser la gueule, je le sens, non même pas. L'orifice oui que j'ai débloqué, il va me servir en fait à casser cette caisse. Ouais, voilà. J'ai dit à casser cette caisse. Voilà. Et dedans une pile d'énergie. Ouais, bon, j'ai failli... Non. D'accord, bon. On va faire comme si on avait, vous avez rien vu. Oh mais du coup je suis paumé là, non je crois que c'est bien par là que j'ai été. Ah c'est ça. Ah cet endroit il m'énerve, c'est vraiment... c'est chiant. Et doucement, et moi j'aime pas aller doucement. C'est ça le problème.
Voilà, on a déjà notre deuxième pile d'énergie et ça fait déjà 15 minutes de vidéo. Putain, fichier. Ça va. J'espère vraiment que je vais pas vous faire un épisode trop long puisque j'ai quand même dit que je voudrais. Enfin, que je vous ferai des épisodes un peu moins longs. Vu que ça semblait en rebuter plus d'un. Y'a pas des orbes là? Ils sont cachés par la neige, c'est chiant. Non, je pense que j'ai tout su là. Arrêtez de sortir de la neige, merde. On va tourner là. Oh, il y a des orbes. Et ça, c'est la classe. Ok. Je dégage. En bas, ouais, y a quelque chose, je crois. Ouais, c'est ça. On va descendre. On a combien d'orbes là? Putain, c'est tout. J'ai même pas la moitié. Moi, je pense que cet épisode va être long. J'aimerais bien ne pas dépasser les 30 minutes, mais je pense que ça va être chaud. Sachant que c'est quand même le niveau plus long du jeu. Enfin. De mon point de vue, en tout cas. Ah oui, voilà, par ici. C'est ça en fait, faut vraiment trouver les endroits où il faut aller. Je dégage. Ah ouais, non, lui il faut des courroux pour le tuer. Lui, je crois que c'est. Ça vaut une pile d'énergie, je crois. Arrête les deux troupes de glaciers lurkers. Il semble que c'est ça la mission qui vaut la pile d'énergie. Enfin, la mission avec ces lurkers là. Une mission vaut forcément une pile d'énergie, bien sûr. Ok, dégueule, voilà. Mais pourtant, j'ai déjà tué l'autre, il dit que j'en avais deux. Bon. Tant pis. Ah oui, mais comme mouche. Je n'ai pas grillé. Ah, je suis déjà à 5. Je ne vais jamais passer mes camouches, franchement. Ça. J'ai dû avoir cette réaction plus d'une fois dans ce let's play. Il n'y a plus rien. Je peux pas monter là. Oh, merde. Ça sert à quoi de mettre ça si on peut pas monter, franchement. Sous là, je vais me faire avoir. Voilà, viens là, petit con. Voilà. Enfin, même de loin, on peut l'avoir. Bon, je parle pas trop pendant ce passage. Faut dire, j'ai pas grand chose à commenter ici. Ah oui, je suis pas monté directement là-haut. Je vais le faire maintenant, je te dégage. Faisant attention à pas me faire écrabouiller par les boules de neige. Ça serait sympa. Façon, il me semble que ça va être les derniers bloqueurs d'écho, je sais pas quoi. Comment dire, attendez, les bloqueurs précurseurs, pas le bloqueur d'écho, même pas. Il y en a combien? Oula, non, ah là-bas, oui, je crois que c'est le dernier. Le truc, ils sont boucliers. Voilà, ouais, ils descendent. Oui, tu descends là, je pense que plus que jaune. Il y a des corps rouges plus. Ah voilà. Ok, je crois qu'on est à 3 ou 4. 3 piles.
Ah non, les trois troupes. Ah bon, en fait, ouais, le chiffre il change, fallait les. Fallait simplement les découvrir. Ouais, parce qu'on peut pas savoir à l'avance combien on avait. Enfin, disons officiellement, entre guillemets. On est pas censé connaître le jeu par cœur comme moi. Enfin, par cœur ou presque. Ok, donc. Je crois que par ici il y a un pont. J'ai pu me faire écrouler. Non, il n'y a pas de pont, d'accord. Par là, il devait bien y avoir quelque chose quand même. On va pouvoir descendre, je sais pas. Ah ouais. Ah voilà. Ouais, va falloir bien atterrir où il faut. Ah, parfait. Ah et là, on a sûrement le dernier. Enfin, je te fais 10 fois que je dis ça, mais le dernier bloqueur, bloqueur précurseur. Et bah non, ce n'est pas le dernier. Ouais, mais non, j'ai eu des logos tout à l'heure. Pour l'instant, bah oui, il y en a plein, les bloqueurs. Ouais, enfin, attention, pas tomber, parce que le bord est tout aussi gelé que le reste. Donc, il n'y a rien, vraiment rien pour nous retenir. Voilà, c'était le dernier. Bon, ça serait bête de me faire tuer, donc je vais faire attention. Hop, voilà. Allez, on est à la moitié. Et on est à 21 minutes. Donc, si c'est proportionnel, je vais encore vous faire un épisode long, je suis désolé. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit le dernier. De toute façon, normalement, il nous restera 2 épisodes. Ensuite, enfin, après celui-là, bien sûr. Donc, on va aller par là. Ouais, non, par là, j'ai déjà été. Donc, on va retourner sur nos pas. Il y avait un passage. Le paysage est joli à cet endroit-là, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, c'est vrai. Là, il va falloir faire le ouf. Fais attention. Ah ouais, ça va, on peut les péter sans faire mal. Les trucs des poules. Ah si, on se fait mal. Bon. D'accord. Ouais, fallait faire de loin en fait. Ah mais non, mais si je recommence ça, ça va pas le faire. Hein. Je suis comment maintenant? On va aller par là. Je crois que c'est là-bas. Putain, si je crève plusieurs fois, je vais tout me refaire, c'est chiant. Non, 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 non. Je me fais tomber. Bon, à la place de ça, je me fais taper. Tant pis. Peur qu'il reparte sans moi, ça va être con. Ok, c'est reparti. Ouais, ouais, en fait, faut les taper dedans, les trucs. Enfin, doucement. Mais non. Mais mon bouffe con. Ah, la pile d'énergie. Allez, voilà. On a combien d'orbes là? 113. Ouais, mais si je passe par là, je peux plus revenir. Il n'y a plus rien à prendre. Putain, je suis monté là. Oh non, il n'y a rien de ça. J'ai pris bêtement la gueule dans le mur. Heureusement que je perds pas de vie en faisant ça, parce que sinon, ça serait compliqué. Mais comment on fait pour ouvrir cette porte? Je me rappelle plus. Attendez, par ici, qu'est-ce qu'il y a? Non, là-bas, c'est l'autre avec son bouclier que j'ai déjà tué. Merde, non, non! Putain, je me disais que j'entendais le bruit. Bref. No comment. Bon, tant pis, on va grimper par là. On trouvera bien la force, hein, de toute façon. Oh là là, il faille, c'est pas mal.
Mais je suis sûr d'avoir loupé quelque chose par là, je me disais bien qu'il n'y avait pas... Enfin que merde, qu'il n'y avait pas que l'autre avec son bouclier. Voilà, on peut descendre mais bon ça sert à rien. Dégage. Ouais mais non là, il y a de la neige mais je risquerai pas de sauter parce que je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Bon je vais faire comme tout à l'heure, je vais redescendre là. Là non. Oh là là putain, c'est vraiment incroyable. J'aurais dû viser. Bref. C'est déjà 26 minutes. Je sais pas si je coupe le. Si je vais couper l'épisode ou. Dégage. Ah bah là non, en fait je crois qu'ici j'y ai pas encore été. D'ailleurs je croyais que c'était par là que j'étais arrivé mais en fait non pas du tout. Oh, donc je disais, je sais pas si je vais couper, si je coupe l'épisode ou pas, c'est... Ça me ferait chier de couper un niveau en deux comme je vous l'ai déjà dit, pardon. Ouais d'accord mais non, ça sert à rien. Ah voilà, voilà, c'est ça. Voilà l'endroit que je cherche depuis maintenant 5 minutes. On va faire un tour de flûte. De toute façon, il est... c'est marrant comme nom pour un oiseau, un flûte. Voilà. Pour l'instant, c'est simple. Enfin, si je suis capable de me jander, mais c'est... Je pense que vous avez l'habitude à force avec moi. Ouais, voilà, c'est pas ce que je disais. Allez, c'est reparti. Non, putain, c'est pas vrai, non. Franchement. Me casser la gueule, un truc aussi simple, ça remonte. Et c'est reparti pour une troisième fois. Non, mais. Tombe bien, voilà. En plus, il y a du temps. Là, je suis en train de faire le con. Ouais, c'est bon. Ouais, les services sont généreux sur le temps. Tu remontes, voilà. Allez, voilà. Je peux l'avoir. Yeah, c'est bon. Ok, on est dans la troisième phase qui est censée être la plus difficile. Ah, faut se bouger, c'est ça le problème. C'est bon, ok. Tu fais comme bien, parce que... Voilà. Et là, je crois que c'est à cet endroit-là qu'on ouvre la porte. La porte, la fameuse porte que... Voilà, c'est ça. Piles d'énergie, super. Et ce truc là je crois que ça nous ramène comme ça à pied, voilà. Ah c'est tout. Ah ouais d'accord, c'est parfait. En plus juste devant la porte. Ok bon ouais ça fait 29 minutes de vidéo, je vais couper l'épisode en deux, tant pis, je suis désolé mais vous vous voulez des épisodes... vous voulez plus d'épisodes de 40-45 minutes, c'est votre choix. Donc je vous laisse ici et je vous dis à plus pour le prochain épisode. On fera la fin de la montagne enneigée. Allez, salut!